Hey, salut tout le monde, c'est Cartel, me voici pour une nouvelle vidéo sur Elite Dangerous. Et déjà, première nouveauté, et oui, vous voyez ma tête. Alors bon, je l'avoue, pas de bol pour vous, mais suite à la demande générale de la communauté, j'ai fait l'acquisition d'une webcam. Et pour marquer le coup de l'acquisition de cette webcam, eh bien, j'ai décidé de faire une petite vidéo où vous verrez ma tête durant cette vidéo. Alors, je pense pas qu'on utiliser la webcam pour toutes les vidéos comme ça de la série. Par contre, pour tous les live Twitch, ça je le ferai. Maintenant, c'est à vous de me dire si vous voulez à chacune des vidéos voir ma tête ou non. Hein, je ferai selon la demande générale. Du coup, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer des messages en MP, peu importe. Vous me le dites si vous voulez voir ma tête à chaque vidéo ou non. Voilà pour la petite parenthèse sur la webcam. Ensuite, au programme de cette vidéo aujourd'hui, un défi. Un défi que je vais nommer défi Twitch. Pourquoi défi Twitch? Parce que ben, pendant un live Twitch, en fait, j'ai un abonné qui m'a lancé un défi. Et ce défi, c'est tout simplement d'agresser un vaisseau devant la station. Jusque-là, pas de problème. Un petit quand même, c'est que ça va encore me coûter cher. Parce qu'à mon avis, je vais y laisser le Viper et à mon avis, je vais avoir des bounties à payer. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est pas grave. J'arriverai jamais à l'avoir, mon ASP, avec vos défis là où à chaque fois, je suis obligé de payer. Mais du coup, je vais le faire. Et par contre, si je l'appelle défi Twitch, c'est parce que je ne me souviens plus, et je m'en excuse, je suis désolé, je me souviens plus du pseudo de la personne qui m'a lancé ce défi. Donc du coup, n'hésite pas à la vue de cette vidéo à te montrer. Donc bah du coup, on va commencer tout de suite, hein. On est sur Azeban, à Azeban City. Non, si j'ouvre le Starport Service au lieu de lancer Launch, ça le fait pas. Et du coup, on va aller voir ça. Hop. Lunch, c'est parti. On va aller faire ça. Ouais, du coup, ça va être une vidéo qui va être assez courte, je pense, du coup. Parce que là, je vais sortir et je vais me mettre en dehors de la no fire zone. Et je vais défourailler un petit vaisseau, un hauler ou un sidewinder, histoire que ça aille assez vite et que j'ai toutes mes chances de me casser. Pour pas me laisser le VP. Prendre la place celui-là quand même. Déjà il y a un combat là. C'est quoi ça? Un Eagle. Contre un autre Eagle, un système Authority Vessel. Eh ben on va aider le système Authority Vessel alors du coup. Hein? Et du coup, je suis attaqué alors que je les aide quand même. Hein, alors que je les aide, à mon avis, je vais y laisser. À mon avis, réellement, je vais y laisser le vaisseau, hein, je pense. Faut pas rêver. Je vais essayer de me barrer quand même, mais. Ah, quoique, pas l'air très doué. Alors, si ça, c'est pas de l'opportuniste quand même, je suis sorti de la station. Hein? Sorti de la station, j'ai vu le combat, j'ai vu un vaisseau à 8% de houle, celui-là il est pour moi. Du coup, je suis désolé, mais dans le principe, hein, défi réussi quand même, parce que c'est moi qui l'ai tué, parce que c'est moi qui ai eu le bounty, hein. Je me tape encore 600 crédits de bounty, bon c'est que dalle, vous me direz, j'ai 331 000 crédits, mais bon, ça fait chier quand même, encore des bounty. Du coup, moi je suis désolé, j'ai envie de dire défi validé. Après, ça va être un peu. Va falloir voir un peu comment ça se passe. Je vais y retourner. Je vais y retourner pour la simple et bonne raison que je vais essayer de m'en faire un deuxième, du coup. Tant qu'à faire. Parce qu'en fait, j'ai eu. J'ai eu 150 crédits de bounty. Hop là, je vais arriver trop vite. J'ai eu 150 crédits de bounty à l'agression du vaisseau. Et j'ai eu bah, 450 crédits de bounty à la destruction du vaisseau. Du coup, le vaisseau a été comptabilisé comme moi l'ayant détruit. Et du coup, mais bon, un peu de la triche hein, quand même, on va pas se mentir. Opportuniste à fond. Du coup, je vais voir si jamais il y a un autre vaisseau. Je vais voir s'il m'agresse à peine en arrivant. On va voir un peu comment ça se passe d'ailleurs. Parce que c'est vrai que ça, j'ai jamais vraiment regardé. Est-ce qu'ils vont me sauter dessus tout de suite?
où est-ce qu'ils vont me laisser tranquille et que je vais avoir le temps de rechasser tranquillou. Voilà, pour le moment il n'y a personne, mais c'est le temps que ça load. Et puis quand même, le système Authority Vessel se fait défoncer, je l'aide et il me fout un crédit sur la gueule. Mais les types, ils se foutent pas de ma gueule. C'est ça d'être trop gentil aussi. Et y a personne. On va attendre 2, 3, 2, 2, 2 petites secondes là. On va voir ce que ça donne. Non, toujours personne. Comment se fait-ce? Pourtant, je suis bien en current game mode open play. Ouais, pas de problème. Même NPC, y a pas un chat. Étrange. Ah, déjà, voilà les systèmes Authority Vessel. Donc déjà, on va voir si on va se faire gentiment Sodome ou si ça va passer. Oh, ils ont pas l'air. Ah, il y a un vaisseau qui arrive derrière. Du coup, bah lui, on va se le faire. Lui, il a pas de bol. C'est pas sa journée. Bon, c'est pas un joueur. C'est pas de bol pour nous. Après, ça dépend ce que c'est. Hein. J'ai pas forcément trop envie de m'en prendre un Cobra MK3 ou un autre VP. Ça a l'air d'être un Sidewinder ou un Hauler. Sidewinder, bah du coup. Allez, c'est parti. Waouh, la station elle est pas d'accord. La station est pas d'accord du tout. Elle a ouvert le feu cash sur moi. Ah là là, et là à mon avis, là par contre, ça pue un peu la merde. Bon, du coup, là, on va se casser. Waouh. Allez. Waouh. Et il est résistant, Viper, quand même. Thruster mal fonctionné. Ok, super. Ça, c'est impeccable, les gars. Et voilà. Et voilà, mais du coup, c'est la fin, hein. Je suis à 0%. Voilà, vu qu'il me touche plus trop. Voilà, ça y est, c'est la fin. Ça y est, je suis bourru. Putain, bah bravo. Bravo le défi. Bravo le défi, hein. Parce que là, ça va me coûter encore bonbon, hein. Mais du coup, je vais pas recommencer parce que, bah voilà, c'est bon, j'ai compris le système. Je suis pas réagressé directement par la station et tout ça. Mais hop, du coup j'en ai pour 20 000 crédits. Confirme. Du coup j'en ai pour 20 000 crédits. Ça va, je vais m'en sortir, hein. Je devrais pouvoir assumer. Mais du coup je vais pas recommencer. Pourquoi? Parce que bah, j'ai vu le système comment ça a fonctionné. Je suis pas réagressé direct en arrivant sur la station par les vaisseaux de la vaisseaux du système système Authority Vessel. Je pense que mon défi est validé par rapport au fait que j'étais un gros opportuniste tout à l'heure. Hein. J'ai réussi à. Le vaisseau m'a été compté comme détruit par moi. Donc du coup le défi est réussi. Le deuxième c'était plus un bonus pour tester tout ça. Je voulais me le faire, mais bon, peu importe, ça c'est pas bien grave. Mais du coup je suis mort. Du coup bah, c'était drôle quand même. Mourir comme ça. La station est pas d'accord par contre. Je sais pas si vous avez vu un peu l'effet là. Les quatre coins de la station ont tiré à bonne saucée. Ils étaient pas d'accord du tout. Mon shield n'est pas resté longtemps en bon état. Du coup, je vais couper la vidéo ici. N'hésitez pas à me lancer des défis. Essayez de faire des défis un peu constructifs. Style, je sais pas moi, tu vas dans la nave beacon de LP98-132. Et puis tu fais ton défi et de réussir à détruire des vaisseaux wanted jusqu'à atteindre 50 000 crédits par exemple. De rewards à aller récupérer. Voilà, arrêtez de me faire des défis où à chaque fois je perds des sous quoi. Non mais franchement les gars, non je plaisante. Non, chaque défi est accepté, chaque défi doit être validé. Si celui-ci n'est pas validé, eh bien, je le recommencerai, hein, y a pas de problème. Du coup, n'hésitez pas à lancer des défis, à lancer des idées aussi, pourquoi pas. Hein. Pas forcément un défi, mais juste une idée pour les vidéos, tout ça. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour savoir si vous voulez
qu'on continue à voir ma tête dans les vidéos ou si vous préférez les vidéos sans ma tête. Ce que je comprendrais aussi pas mal. Du coup, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à voir pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Fly safe tout le monde!